Salut les amis, je suis désolé de vous dire qu'il y a une vidéo bonus qui sort, mais aujourd'hui, hein. Oh bon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu sors une vidéo aujourd'hui alors que tu nous as dit que tu sortirais une vidéo tous les vendredis? La vidéo de vendredi, elle est en cours de production, là, elle est tournée et montée, il reste plus qu'à la publier vendredi, donc ça c'est déjà fait. Et donc je vous donne rendez-vous vendredi pour une nouvelle vidéo, mais ce n'est pas un vlog critique, c'est un nouveau programme. Et oui, encore un nouveau que je n'ai pas annoncé parce que je ne voulais pas le faire, mais finalement j'ai décidé quand même de le faire. Voilà, donc je vous dis toujours pas ce que c'est, mais ça a quelque chose à voir avec la série X-Files. Bref, alors juste une petite vidéo de quelques minutes pour vous dire que ça y est, un mémoire extrêmement compliqué, troisième partie, est enfin terminé. Donc vous l'avez dans la description. Avant d'aller checker la description, écoutez-moi. Dans la description, vous n'allez pas retrouver directement la troisième partie, hein. C'est une édition spéciale, corrigée et remasterisée, avec les trois parties incluses. Donc il y a 80 pages. Je vous ai promis 70, là il y en a 80, donc j'ai rajouté environ 10 pages. J'ai ajouté certaines choses au dernier moment, évidemment. L'épilogue ne fait qu'une seule page, ce qui est tout à fait normal. J'ai essayé de vraiment résumer la fin avec une seule page pour pas faire un truc beaucoup trop fat. Je voulais vraiment que l'épilogue explique vraiment ce que font les personnages à la toute fin de l'histoire. Et ce que je tiens à vous dire, c'est que si jamais vous êtes assez sensible, je pense qu'à la fin, ça pourrait vous faire pleurer. Et à la toute fin, c'est-à-dire à l'épilogue, après avoir pleuré, vous allez voir que ce qui vous a fait pleurer, ça va être beau à l'origine. Donc moi je pense que voilà. Donc en tout cas, j'ai déjà reçu quelques avis puisque je l'ai publié déjà sur Facebook et on m'a déjà dit que c'était vraiment génial, hein, que c'était assez super. Que la fin, certains l'attendaient parce que j'avais déjà dit que le couple ne finirait pas ensemble. Les gens se sont dit pour pas qu'ils finissent ensemble, il va faire quelque chose. Bruno va faire un truc à la fin, un truc. Nécessaire, donc vous allez voir ce que c'est, je vous dirai rien de plus. Donc allez-y le lire, hein. Le lien est dans la description, allez-y. Les liens qui sont disponibles dans mes anciennes vidéos ont tous été supprimés. Donc si vous allez sur le lien sur mes précédentes vidéos, vous ne trouverez absolument rien, à part une page blanche. Sinon là, cette fois-ci, là, elle est dans la description, donc il y a les trois parties incluses, elles ont été corrigées, etc. Et je tiens beaucoup à que vous me dites vos avis, donc dites-les-moi sur mon Facebook Fenty Pictures qui est aussi dans la description. Dites-les-moi dans les commentaires, vraiment dites-moi ce que vous en pensez. Ça m'a pris environ 2 à 3 mois de boulot et je suis assez content de cette fin. C'est vrai que je m'attendais pas trop à faire une fin comme ça à l'origine, mais je voulais vraiment faire une fin comme ça. Je vous dis pas plus, allez-y voir vous-même. Et moi je vous donne rendez-vous comme promis vendredi avec une vidéo qui sortira évidemment vendredi. Voilà, j'ai rien à dire de plus. Allez, bonne lecture.